Bon. Elle nous accompagne pas. Ok, ça c'est un peu intéressant. Dambron. Où est-ce qu'elle est? Là-haut. Ah mais ok, super, incroyable. Il est juste à côté depuis le début. Comment ça découvert? Je l'avais jamais découvert. Oh, ce ne serait pas Tier Sandar. Que se passe-t-il? Qui est un espion. Oh, oh, vous êtes de retour, juste à temps. Madame, j'ai pas rêvé, vous avez fait exécuter l'ambassadeur de Tarin. Oh oui, il avait le choix entre le donjon et la galère. Mais au lieu de ça, il a préféré prendre l'épée. Maintenant, il se balance au bout d'une corde. Et que se passe, que s'est-il passé? Ah, je vous en prie, point, madame, point. Ben moi, point. On ne m'a rien dit, poit poit. Oh, il est temps d'agir. J'ai reçu le message de Tarin. Nebrelia se dirige vers le Volandis. Donc l'heure est venue. Oh, vous devriez attendre le message de Cameron. Oh, mais la situation a changé. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. On va frapper Tarin là où ils n'y s'y attendent pas en volant le grand grimoire. Mais, what? Ah, madame, what? What? En agissant ainsi, nous donnons l'avantage à Nebrelia, what? Ah, madame, what? Ne me dites pas que vous, what? Comme vous êtes dommage avec Nebrelia, what? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, pour cette raison, que vous êtes si sûr de vous? En effet, Nebrelia nous a demandé de l'aide, et nous lui avons lui apporté avec plaisir. La reine de Tarin, Volandis, doit prendre fin. Et ce sera alors autour de Nebrelia de régner, point. Avec tout le respect que je vous dois, madame, point, point. Mais vous êtes en train de vendre le Volandis à des étrangers, point, point, point. Oh, je rachète notre souveraineté. Ah, c'est ce qui a été convenu avec le roi Dreklar. Oh, c'est de la pure folie, point, 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 point. Enfin, attention à ce que vous dites, général Tormund. Ah, ils ne vont pas nous traiter différemment, point. Je préfère encore vivre sous le joug d'un tyran en laissant Valandien couler dans leur veine, point, point, point. Oh, et donc, les pays souillés par ce même sang, auriez-vous déjà oublié les crimes de Tarin? Oh, vous préférez valoriser les bourreaux de nos familles, point. Ah, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous négocié avec Nebrelia au juste? Oh, nous aidons Nebrelia et nous obtiendrons notre indépendance. En échange, ils auront le droit de construire des bases militaires en Volandis. Ah, nous allons suivre votre plan, madame. Le grand grimoire est notre ennemi, pas Nebrelia. Quiconque détient le grand grimoire est l'ennemi de l'humanité. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, très bien, dans ce cas, ne tardons plus à nous préparer. Adressez-vous à Tormund quand vous aurez terminé. Oh. Bah normalement on est bon. A priori. Let's go, hein. Ah, vos préparatifs sont terminés, point. Et une fois que nous aurons commencé la mission, point, il ne sera plus possible de revenir en arrière avant certains temps, point. Nous sommes prêts. Très bien, allons-y alors, point, point. L'air s'est rafraîchi, point. J'espère que nous mènerons notre mission à bien, point. Les murs de Tormund ne vont pas céder facilement. Je ne sais pas, je ne le sais que trop bien, j'ai été leur prisonnier si longtemps.
On peut pas laisser de la place pour ce torment, s'il vous plaît. Obligé de voler à côté. Ah, tout ce que les hommes construisent, l'homme peut le détruire. Oh, n'oubliez pas, on entre le plus rapidement possible, on prend la pierre et on se sauve. Taran sera en train d'en découdre avec Nebrelia. Une personne ne se doute d'une attaque surprise venant de l'arrière. Ouf. Pendant ce temps, les hommes de Dame Abran et les miens feront également diversion. J'espère qu'ils s'en sortiront mieux que lorsque nous sommes venus à vous délivrer, Amalia. Cette fois-ci, il n'y a aucun traître dans nos rangs. Du moins, je l'espère. Jusqu'où suis-je prêt à aller, Killian? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais que ce soir, nous obtiendrons la victoire contre le roi Frédéric. Oh, que l'on. La guerre en Valandis dure depuis 150 ans, désormais, et à un moment donné, ses habitants ont commencé à considérer que c'était quelque chose de normal. Ils sont nés et sont morts avec la guerre en Valandis. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Mais le traité conclu l'an dernier leur a permis de goûter à la paix pour la toute première fois. Le temps d'un instant, une étincelle d'espoir a brillé en eux. Et c'est cette étincelle d'espoir qui a forgé nos armes. Et c'est dû au nom de Valandis que son peuple, que nous les brandirons. On va voler le grand grimoire et détrôner le roi. Oh ben on dit, c'est roulant. En discours d'un grand chef. Je suis d'accord. Je savais que tu avais un cœur de lion. Fais attention à ce que je ne te le vole pas. La diversion a commencé, allons-y. Bonne chance à tous. Oh. Les généraux ont réussi à canaliser complètement leur pouvoir. Il ne nous reste plus qu'à attendre que l'armée de Nebrelia atteigne la côte. Les généraux devraient être capables d'arrêter les vaisseaux avant qu'ils ne décollent. Ah, voyons un peu de quoi nous sommes capables sans le grimoire face à l'une des armées les plus puissantes d'Elderia. Ah, mais l'excuse, votre altesse, nous avons reçu un message de la garde de l'Est. On nous attaque à Boisfeuillor. À part l'Est? Il s'agit d'une petite troupe qui ne compte qu'une poignée d'aéronefs et d'armures célestes. Ah, des armures célestes? Du matériel bien trop avancé pour de simples résistants. Peut-être que Dame Bron se cache derrière tout ça. Ah mais alors, il serait de mèche avec Nebrelia, non? Oh, laissez-moi m'en charger moi-même, votre Altesse. Ah comment Dame Bron ose-t-elle agir de la sorte? Mes généraux me reprochent d'être dur, mais de tout évident, je suis encore bien trop clément. Mais suis-je capable de me montrer encore plus ferme? Mes mains tremblent, mon cœur bat plus silencieusement chaque jour qui passe. Non, je ne dois pas renoncer à mon plan. C'est le seul moyen de faire régner la paix, la vraie, en Valandis. Le grand palais se trouve à l'est, à l'ouest. Mieux vaut éviter de passer en mode vol tant que leur canon anti-armure céleste sont opérationnels. Oh, sauf si nous décidons de les désactiver un par un, si on en est capable, bien sûr. Ah, c'est le moment ou jamais d'encourager mes camarades. Même avec nos piètres compétences, on devrait pouvoir y arriver. Eh bien, ça aurait pu être pire. Faisons de notre mieux. C'est sérieux, hein, meuf. Bon. Vend des choses qui peuvent être intéressantes ou pas. Ok, merci. Oui, alors on est là. Donc on peut avoir le base stationnaire. Donc. Ouh, les armures célestes.
désactivons. Et donc là, on a désactivé un, c'est cool. C'est vrai que c'est pas la même chose, donc faut que je fasse gaffe. Ok, Charles. Il y a 1-1-1. C'est full 1. C'est le vent que vous aimez pas, hein. Go. Ah oui, lui, c'est deux zones. C'est embêtant. Je suis pas encore tout à fait habitué. Cher pour rien en fait. On va recommencer la bataille. Ça va être ça, hein. À moins que... moins que c'est la merde. Ouais, mais quand on pouvait acheter on avait les rames, les canons élémentaires, ça en a mieux. Lui, il faut qu'il fasse zéro magie, quoi. Et je peux pas passer en mode zéro classiquement. Pour ça, il faut que je passe au 2 d'abord. C'est un peu relou. Comme je me fais one shot à chaque fois aussi, hein. On a remercié. Obligé. Ah, la vraie musique.
Ah, échange rapide. Ah, mais elle, c'est... C'est le dommage de zone. Donc on en a besoin, en plus, ça fait mal. Mais ça, c'est trop... Ça fait trop mal, quoi. De l'aveugler. Ouais. Ouais, il a surchauffe quoi. Le soin. Des objets, hein. Comme tout. Énergie de guérison, mais ça sert à rien. Vas-y, bonne chance. À la haine de tous, mais c'est Gland qui se fait toucher. Hein. J'ai touché qu'une fois. Ah. C'est vraiment. Peut-être des passages. Attends, je devrais pas faire ça. Non. Comment on fait? Voilà. Il y a plus le système, il y a rien. Peut-être j'esquive. Je peux pas me relever. Je suis obligé de passer en fait.
fait, je suis baisé. Essayant de soigner tout le monde. Oh, il a résisté. C'est 1 à 5. Je régène que dalle. Tellement cher pour rien. Chose bien. Évidemment. Et tu vas me dire c'est le seul plug, je peux rien faire. Mais là, ça va être finito. Si j'ai... Ça me fait passer à gauche. Au glitch. On va tester un truc, hein. On peut peut-être... C'est pas, hein. Ça va être l'OS. Ouais, non. On l'a refait. C'est dommage. Chargé. J'ai tout le temps. Monde. C'est ici que notre aventure prend fin. Je crois que c'est ici que notre aventure prend fin. À moins que je sois obligé d'utiliser une technique ancestrale. Mais peut éviter. Ça aurait essayé.
répondez. Est-ce que ça va me saouler en vrai? Bon, il va falloir que je trouve et je cherche, mais en attendant, on va essayer, mais. Donc c'est la fin, hein. C'est fini tout. La seule fois où on est allé là où on pouvait faire des achats d'armure céleste, il y avait exactement celle qu'on avait. Il n'y avait pas plus d'autres sup. Et bah comment dire, c'était grâce à une quête secondaire. Donc déjà, une quête secondaire, t'es pas obligé de les faire. Rien à récupérer d'autre. Au secours. On va le faire en petit sexoma. Comme on dit. Blanc qui va crever, évidemment. J'en ai qu'un de quitter. J'ai pas vu qu'il pouvait en... on pouvait en acheter. Non, non, sûr. Kit de réparation me donne mieux. Mon île de... C'est que des encas, c'est des machins, c'est de réparation, pièces détachées, on peut en acheter, mais pas nous affaires. Est-ce qu'il y a des choux? Ou c'est le butin? Super, rien. J'ai acheté des choses, mais premier ennemi, hein. Donc, faut vite passer en def. On va essayer de faire ça. En crever, si possible.
Il faut quand même heal là. Enfin, intéressant. Ok, un de mort. Ah, y'a moyen. Y'a moyen, j'en suis sûr. Peut-être qu'un jour on arrive à le tuer aussi. Donc là ça commence à être critique un petit peu. C'était aveuglé. Parfait. C'est bizarre, tout acheter en kit de repas. Il en reste un. Incroyable. Dommage, pas taper assez fort. On va faire récupérer que 10. Oh, alors ce que dalle. On a réussi ? Incroyable. J'ai rien touché. Où est-ce qu'ils sont? Canon anti-aérien là. Il y en a un. Non. Juste au corps précieux. Il y en a un là. Pas du tout. Il y a en haut, tuk tuk, on peut rentrer dans la... Il y a différentes portes. Là en bas. Ok, on va faire dans l'ordre. Ouais. Nice.
de 2. C'est tendu hein, en tout cas. Pas ici. Ok. Parce qu'on est où? On est là. Un peu derrière. On peut esquiver le combat. C'est bien. Faut qu'on aille à droite. Ok. Mais rien que la possibilité de, passer de 1 à 0. Basiquement. Ça aurait été tellement mieux. Nos ennemis. Parce que là, ça va. On les bute tous. Parfait. Du coup, go le. Ouch. Ce qui choque, c'est surtout la différence entre les combats comme ça et en armure. Pourquoi? Il m'en reste 2. Vraiment la suite. Oui. Non, c'est moi qui suis fou. Donc ça c'est fait. Là-bas il y en a peut-être. Pourquoi ils sont géants? Ouh, j'ai vu des choses. Comment on y va? Comment on y accède? En bas là, il n'y avait pas comment on accède à ça, peut-être en désactivant tout. Une fois tout désactivé, ça devrait le faire. Où le dernier? Ça va pas. Allez, peut-être en haut. Oh. On va y aller, on va voir. Combattant de Baki.
Ok. C'est grave mal, mais... Ok, on va passer en rapide alors. On va quand même faire la balayette. Ah non, j'aurais dû me mettre pas. New bet. Me le tenter, me le permettre. Hey. Aussi. Pas le même. Ok, c'est ok. Il est mort. C'est pas si grave. Nice. Pas tué. Devient oh non, j'aurais peut-être pas dû. Ah, les autres n'étaient donc que de simples distractions, je m'en doutais. Ah, ah, vos amis jouaient leur musique en tantinait trop fort, un peu comme un enfant cherche à attirer l'attention. Voici Gaïn, le conseiller de mon frère. Ne vous laissez pas berner par son attitude réservée. Oh, cela faisait longtemps. Gaïn. Ah, vous le connaissez? Ah, et si tu laissais passer un ancien camarade de classe, en souvenir du bon vieux temps? Oh, rien ne me ferait plus plaisir, à vrai dire. Je voudrais que... Que vous confiez le grimoire au roi. Il serait sans doute préférable qu'il soit entre vos mains. Mais d'abord, je dois m'acquitter d'une obligation. Oh, je ne suis pas sûr de comprendre ce que où tu veux en venir. Ne perdons pas de temps. Oh, vous êtes pressé, ce qui est compréhensible. Frappe-le, gland. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, Glan? Est-ce vraiment ce que tu veux, Glan? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, il y a un problème. Est-ce que tu entends... Une voix dans ta tête. Quoi? Toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, trêve de bavardage. Je dois faire semblant de vouloir t'arrêter, alors fais un petit effort, je transpire un peu. Et tu vas affronter des armures célestes? Ah, laisse-moi m'occuper de mes affaires, tu devrais penser à t'occuper des tiennes. Il va nous one-shot, tellement sûr. Elle est douteuse. Elle prend zéro dommage. J'aurais pas dû faire charge là, débile.
en train de se relaxer. Claquement de doigts. What the fuck? Je crois qu'on va crever. J'ai pas l'air de te prendre au sérieux. Au revoir. On va tellement mourir. Silence! Ouais, bon, claquer des doigts après. On y va en vitesse. Comment ça? J'aime pas trop, hein. Pas du tout. Non, mais. Mais sérieux? Non, mais c'est quoi ça, toutes ces. Le fait que te taquiner. Avec le poison. Papa, une attaque ultime. Ah! J'aurais pas le temps. Défense! Pas le temps non plus. Défense! Adieu, monde cruel. Ah, un tour. J'aurais eu le temps. Merci. Défense. Défense. Je vais mourir. Ok, nice. On va dire. Oh, sans lui. Je suis sûr que c'est un truc à retardement. Ah, surchauffe. On a survécu. Assez. Oh, tu te bats avec la force du fantôme. Tu es habile en combat rapproché à distance. Et tu peux même manier la magie. Comment un simple conseiller comme toi peut-il résister? Qu'est-ce que tu en dis, Jun? Ah, effectivement, on devrait se rendre. Ah, que la roue du destin soit avec toi. Ah, venez vite. Une minute, j'ai des questions. Oui, pourquoi on a l'impression que cette personne est aveugle, Jun? Or que sur le sprite, elle a les yeux grands ouverts. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Bouge-toi. Oh, ne t'inquiète pas, Glon, tu sais comment me contacter maintenant, non? Nom d'un chien. Pas où est-ce que le dernier il était. Ah, il est juste au-dessus. Grimpons. Et désactivons les maléfices. Wouhou. Est-ce qu'il y avait des trucs? Non. Oui, on peut voler, c'est ce que j'essaye de faire. Et là, il y a... Non, c'était pas ici, c'était au-dessus. Il y a des choses intéressantes. Vous allez mourir. Pfff.
Balayette. Ça, j'aime bien. Alors ça, ça peut nous être utile. Est-ce que, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le pari machin là? Oui. Est-ce qu'on a une nouvelle épée longue? Non. Est-ce que t'as mieux? C'est quoi que t'as? Une... ok. Marteau. Bien. C'est un merlin. Non. Et toi? Attends, glaive. Marteau, épée... Non, c'est bon. Ils sont toujours là. Le réfi vite fait. Je flemme de m'approcher d'eux. On va y aller classiquement. Oh, je me doutais que c'était vous. Qui étiez à l'origine de cette agitation? Oh, Cameron. What? Qu'est-ce? Oh, notre contact, mon vieil ami. Désolé, mais nous n'avons pas de temps, pas pu attendre plus longtemps avant. Mais nous n'avons pas pu attendre plus longtemps d'avoir de tes nouvelles. Oh, aucune importance. Oh, nous avons là une occasion rêvée. Bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. Les généraux s'affairent à canaliser leur magie. Ils ne peuvent donc pas nous mettre des bâtons dans les roues. Où est la pierre? La pierre est... Oh, comme moi. Ah, ta main. Malédiction, pout! J'ai mal visé, pout, pout, pout! Est-ce que tu as perdu la tête? Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est d'un... Pout! C'est d'un grand qui a perdu la tête, pout! Vendre le Valandis à des étrangers, pout! Aucun habitant du Valandis ne pourrait le supporter, pout! Dambran est originaire de Gattea, pout! Elle ne comprend pas la façon de penser des gens qui vivent sur ce continent, pout, pout! Ah, tu vas le regretter, Torment. Ah, allez, on dit un poit, allez tous dire poit, poit. Cameron. Oh, c'est juste une blessure superficielle. Arc de mon chemin, je vais le sauver. Oh, la pierre est dans la tour principale avec le roi Frédéric. Évite de parler. Ah, ces blessures, elles sont bien trop profondes et il va mourir. Ah, je n'ai pas conclu ce pacte pour rien. Personne ne mourra ici. Oh, j'ai trouvé comment détruire le grimoire. Ah, comment? Comment? Écoutez-moi bien, grimoire enferme de la terre, qui libère violemment dans son enveloppe. Son enveloppe est brisée. Il se régénère en absorbant les terres des morts. Comment? Est-ce que vous comprenez? Plus il y a de vies qui sont fauchées par l'explosion, plus le grand grimoire peut rassembler les terres, plus il devient puissant. A l'inverse. Ah, bon sang. Ah, si seulement je pouvais boire un verre, un petit verre, rien qu'à darner. Hein? Ah, ne vous en faites pas. Il vivra, aucune blessure ne peut me résister. Ah, Pharaon. Éloigne Dieu des suies. À vos ordres. Robert, promis, je t'enverrai un Cameron. Une fois que nous en aurons terminé ici. À l'inverse, qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire par là? Ouais, le grimoire emporte de vie, lui s'affaiblit. Donc, il ne peut. S'il ne tue personne.
Alors qu'il ne pourra pas se régénérer, il deviendra une pierre comme les autres. Ah, mais si je comprends bien, on peut aussi rendre la pierre plus forte en laissant tuer autant de personnes que possible. Mais alors, la raison pour laquelle Frédéric a fait apporter la pierre à Windshire à l'époque? Impossible. Il cherchait à rendre la pierre plus puissante, en sacrifiant autant de vie que possible. Peu lui importait qu'il s'agisse d'ennemis ou de ses propres hommes. Le NN. Ah, ça ne peut pas être vrai. Il ne ferait jamais ça. N'est-ce pas? Continuons d'avancer, direction la tour principale. C'est intéressant. Il faut qu'on trouve un endroit où il n'y a personne. Après, des vies humaines ou n'importe quel type de vie. Parce que si c'est des animaux, c'est quand même une vie. Et théoriquement, dans le loi de la nature, on cite l'éther en eux. Donc pour trouver un endroit où il n'y a pas de vie, il reste qu'une solution. L'espace.